Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. J'arrive de la boîte aux lettres et je m'en doutais, j'allais la recevoir aujourd'hui. Regardez ce que j'ai récupéré dans la boîte aux lettres. J'ai récupéré ma petite box du mois d'octobre. Voilà, donc ce mois-ci, pas de problème d'envoi. Elle est arrivée dans les temps. On est le 11 octobre. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc je vais l'ouvrir avec vous, voyez, je ne l'ai même pas encore ouverte. Donc j'ai dit, allez, j'allume ma caméra et puis voilà, on le fait ensemble, ça va être sympa. Donc bah, je vais ouvrir le colis avec vous. Hop, voyez, c'est vraiment la méga surprise. Et ce mois-ci, la boîte, donc à chaque fois les boîtes, elles sont super jolies, je les trouve vraiment sympas. Ce mois-ci, c'est donc une boîte rouge, super belle. Le mois dernier, elle était noire, elle était trop belle. Et ce mois-ci, la voilà, c'est une boîte toute rouge. Je les trouve plutôt sympas. En fait, je les garde toutes là. Je suis en train de regarder en l'air. Là, j'en vois 2, 4, j'en ai déjà 5 sur mon armoire. J'arrive pas à les jeter. Je les trouve super jolies. Elles peuvent, bah, elles sont réutilisables hein, pour faire des cadeaux, par exemple. Enfin, vraiment, je les trouve vraiment chouettes. Et du coup, j'ai pas le cœur. J'ai pas le cœur à les jeter. Elles sont trop jolies. Donc on y va comme d'habitude. Donc on a une boîte comme ça. Donc je rappelle que c'est la Beauty Box de Look Fantastic. Je paye 18 euros par mois. Je vous mettrai en bas un petit lien si ça vous intéresse. Hein. C'est un lien de parrainage. Vous connaissez ça. Hein. Si vous vous abonnez grâce à ce lien, eh bien moi je reçois un petit bon d'achat de 10 euros. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, mais évidemment c'est pas obligatoire bien entendu. Donc voilà, le petit cahier comme tous les mois, bah, moi j'aime bien ça, je trouve ça sympa. Je lis souvent ce qu'il y a dedans, voilà, il y a des articles intéressants. Et puis donc, notre petite boîte, fermée avec un joli papier de soie comme d'habitude. Et donc c'est parti, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois, c'est très joli déjà, vous voyez. En fait, tout est un peu rose et c'est octobre rose. Donc je pense que c'est fait exprès, c'est vraiment super joli, super chouette, voilà, je trouve ça très sympa. Alors, je démarre avec ce produit-là. C'est un produit Rituals, évidemment, c'est super beau. Alors, j'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui. Je vais chercher mes lunettes parce que comme ça, je vais lire pour bien voir ce que c'est. Donc, c'est un parfum d'intérieur. Alors, ça, c'est super sympa, au lait de riz et à la fleur de cerisier. Alors, écoutez, c'est plutôt chouette. Je ferais bien un petit. Voilà, hop. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent presque le bonbon. Les petits bonbons tout doux là. Ça sent bon ce truc-là. Bon, bah super. Donc un petit parfum d'intérieur. Très joli. Très beau. Présentation impeccable. Voilà, je suis trop contente. Super. Deuxième produit. Alors, IsoClean. Ah, ça c'est sympa. C'est un nettoyant pour les pinceaux à maquillage. Alors ça, c'est vraiment sympa. Avec un beau contenant de 110 millilitres. Donc vraiment, vraiment chouette. IsoClean, ça s'appelle. Et c'est donc un nettoyant pour les pinceaux. Super utile. Évidemment que je vais m'en servir. Génial. On continue avec un joli petit tube rose comme ça. Vieux rose, c'est très joli. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que c'est écrit en plusieurs langues. Ta, 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 ta. Night Brightening Sleeping Facial Vitamine Super C Brighten and Plump. Soin facial de nuit éclaircissant à la vitamine C. Bah écoutez, c'est de la marque Corès. Ah oui, c'est une marque assez connue ça. Donc bah écoutez, voilà. Attends, à essayer. Bon, il est bien, il est tout fermé. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Mais j'essaierai. C'est donc un soin de nuit éclaircissant. Très bien. Ensuite, attends, on est gâtés, hein, c'est vraiment cool. Hein. Alors là, je vois highlighter. Alors ça, c'est sympa. Un produit make-up. Un highlighter de chez Luvia Cosmetics. Il est assez foncé. Il est 100% vegan and cruelty-free. High performance pigmentation. Eh bien, on va essayer ça, les amis. On va essayer ça. Alors, c'est un petit contenant comme ça. Voilà, c'est un petit contenant. C'est plutôt un format découvert, vous voyez. Et voilà ce que ça donne. C'est assez joli, hein. Je sais pas. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. C'est assez. Ouais, c'est assez fin. C'est joli, hein.
Ok, très bien, bah écoutez, super, bah on va essayer tout ça. L'avantage de ces box, en fait, c'est que je me sers de tout. Ça, c'est vraiment, je trouve ça super, super chouette. Donc, c'est bon, un highlighter. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Eh bien, ça, c'est des petites lingettes réutilisables, hein, de la marque Manitone London. Et nous avons deux petits cotons comme ça. Oh, c'est roux-doudou, c'est super roux-doudou. Deux petits cotons démaquillants réutilisables. Ils sont très très jolis, regardez. Les couleurs sont très sympas. C'est très très joli. Vraiment sympa. Removes makeup with just water. Donc normalement, si je mets juste de l'eau là, et ça devrait pouvoir me démaquiller. Bon, moi je vous avoue, je fais un double démaquillage. Mais ça, je m'en sers de temps en temps pour me démaquiller les mains quand je fais des swatchs. C'est vrai que je m'en sers pas mal de mes petites lingettes réutilisables. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et on a un dernier produit qui est un après-shampoing de la marque Paradox. Bah écoutez, c'est génial, hein. Voilà, un après-shampoing comme ça, super taille encore, 50 millilitres, donc vraiment une jolie contenance, c'est très très beau, hein. Donc voilà, donc encore une fois, ce mois-ci, bah écoutez, je suis super contente. On a du maquillage avec un highlighter, on a un nettoyant pour pinceau, super contenance, on a un petit parfum d'intérieur, super sympa. Une crème de nuit à la vitamine C à essayer. Des petites lingettes réutilisables. Et puis, ben, un après-shampoing. Deux, quatre. On a six produits. Vraiment avec une super. Ils sont pas foutus de nous, quoi. Hein. C'est vraiment. On en a pour un petit moment. Donc, ben, écoutez. Encore une fois, je suis ravie. Encore une fois, ben, je me dis que je vais continuer encore un petit peu. Je pense que je vais terminer l'année avec cette beauty box. Et puis, on verra l'année prochaine. Mais c'est vrai que ces 6 derniers mois. Tous les mois, j'ai été vraiment agréablement surprise avec des produits super variés. Donc, bah voilà, on continue sur cette lancée. En plus, le fait que ce soit des choses un peu roses comme ça pour Octobre Rose, bah c'est sympa. Je trouve ça assez joli. Donc, bah écoutez, voilà. J'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous. Je vais mettre ça vite en ligne comme ça, vous l'aurez rapidement. Et puis, je vous fais des gros gros bisous. À très vite. Salut.